C'est déjà le cas depuis plusieurs mois. Un ciel qui aujourd'hui est très illuminé. Et c'est cette lumière, c'est du savoir, c'est de la paix qu'on se doit de bâtir tout ça main dans la main. Et donc je vous félicite. À l'occasion de l'inauguration de ces nouveaux locaux, l'Institut Amadeus a choisi une thématique symbolique, celle de la réflexion autour du modèle de développement de notre pays, à l'instar de ce débat lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors de son discours à l'occasion du lancement de l'année parlementaire en octobre dernier. Je crois qu'il était essentiel de pouvoir réunir acteurs politiques, acteurs gouvernementaux, société civile, autour de la réflexion, de ce renouvellement de ce modèle. Nous ne partons pas de zéro. Le Maroc, alhamdoulilah, a de nombreux acquis, notamment depuis l'accession de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au trône en 1999, des acquis économiques, des acquis sociaux, des acquis politiques. Donc la création d'un nouveau modèle, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est comment repartir à travers l'existant pour arriver à un schéma d'équité sociale, de justice sociale et d'équité territoriale. Il y a des inégalités au niveau territorial, il y a des inégalités au niveau social, et les principaux maux qui touchent notre pays ont été eux-mêmes mis en exergue par Sa Majesté lors de ses différents discours. Donc aujourd'hui, il est important de lancer un grand débat national, inclusif, autour de ce modèle de développement, comment le rendre plus performant, comment le rendre plus représentatif et comment le rendre plus inclusif. Et en quelque sorte, aujourd'hui, à travers les différentes sessions et panels qui sont programmés, nous allons, Inch'Allah, essayer de capitaliser sur les débats pour faire notre travail de centre de réflexion et être force de proposition pour essayer d'accompagner également ce débat au niveau national et pour faire en sorte que ce nouveau modèle de développement puisse être inclusif tel que souhaité par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu bénisse. Merci. La question de l'éducation, il a été clair qu'il a fallu, il faut avoir...